Je suis déjà très très heureuse d'effectuer cette visite dans votre belle institution. J'ai profité de l'occasion pour transmettre les chaleureuses salutations du chef de l'État togolais et aussi saluer le leadership de Madame la directrice générale pour le travail excellent qui est fait ici. C'est une fierté pour nous, Africains, et je tenais juste à le préciser. Nous avons eu des échanges assez intéressants, assez fructueux. L'OMC joue un rôle très important dans le monde du commerce, mais surtout en ces temps où nous traversons une série de crises qui affectent le quotidien des populations, qui affectent les échanges commerciaux entre les pays. Et donc nous sommes venus témoigner tout notre soutien à l'OMC et également leur dire à Madame la DG et à toute l'équipe que nous attendons encore plus de l'OMC pour accompagner nos pays, pour faciliter les échanges commerciaux entre nos pays. Et je crois que les initiatives qui sont en cours au niveau de l'OMC de Togo pourraient en profiter. Nous sommes très heureux des échanges et c'est des échanges qui vont se poursuivre pour le bien de nos pays. Merci beaucoup. Je dois dire que je suis très fière de recevoir Madame la Première Ministre. Il n'y a pas beaucoup de leaders qui sont femmes en Afrique. Et voilà, nous avons Madame la Première Ministre de Togo. Donc c'est une fierté pour nous. Je dois aussi remercier Monsieur le Président Faure Gnassingbé et tout le Togolais pour le soutien. Madame la Première Ministre a décrit tout ce qu'on a discuté, le travail sur la route de CM13 qui est très important et surtout le travail sur le coton et les autres produits agricoles pour voir comment est-ce qu'on peut faire plus avec nos pays en Afrique pour ajouter la valeur dans le produit. Donc c'était une discussion vraiment intéressante et je pense productive. Donc merci madame. Merci. Oui, on va travailler plus en avenir.